je suis Elvire, je suis une professionnelle de la santé et je suis aussi une cliente pour le projet Kilimo du Conca. J'ai connu le projet Kilimo à travers des vidéos de Mme Touré Patricia. L'agriculture, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. C'est sûr qu'on n'a pas tous la force d'aller au champ, de soulever les tabacs, ni d'être des professionnels dans tout ce qui est semences et surveillance en fait du champ. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir non seulement nous, de notre côté, faire un investissement, avoir un retour sur investissement sans pour autant connaître la chaleur ni tous les aléas de la nature. Ça, c'est le CAM qui s'occupe de supporter ça. Mais aux propriétaires terriens aussi de valoriser leur terre et de gagner quelque chose. Et je trouvais que ça, c'était comme un partenariat gagnant-gagnant. Et je trouvais que c'était quand même une belle valeur qui était promue par le CAM. Et c'est ce qui m'a parlé à moi et qui m'a conduit justement et qui m'a convaincu d'investir dans ce projet. Pour l'instant, j'ai souscrit à deux pas. Vu le service que j'ai reçu, c'est vraiment une entreprise avec laquelle je pourrais les yeux fermés continuer d'investir et recommander aussi à mes proches. Et en plus, ils permettent de faire une visite du site parce que souvent, ça peut rester une vidéo comme ça, on se dit que on a déjà vu des vidéos, tout était beau, mais en fait derrière il n'y avait rien. Et là j'ai pu avoir l'opportunité d'aller sur le site. Et c'est vraiment un gros projet. C'est déjà un gros projet, mais ce n'est même pas encore la moitié. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Le programme, je pense, à un moment s'est attaqué à un gros bout. Et je pense qu'il y aura encore de la place pour d'autres personnes qui voudraient investir, de participer à ce projet-là. La visite s'est très bien passée, j'ai été bien reçue le jour de la visite. Et par la suite, on a fait chemin jusqu'au site. J'ai visité les trois sites qui étaient là. Donc les sites qui étaient en traitement, les sites qui étaient déjà en production pour le manioc, pour le maïs. Mais j'avoue qu'on n'a pas fait tout le site parce que c'était vraiment énorme et c'est difficile. C'est difficile, c'était assez pénible parce qu'il faisait chaud. Moi, je ne suis pas habituée à tout ce qui est nature, tout ce qui est voilà, terre agricole et autres. Et on a rencontré les travailleurs, on a vu comment ça évoluait. On a même eu à rencontrer le technicien qui se chargeait de surveiller les différentes étapes par rapport à la croissance de ces produits-là. Donc il nous a expliqué à quelle étape on était pour chaque culture. Et vraiment, ça, c'était concret. Donc c'est au-delà de ce que je voyais dans les vidéos, j'ai pu toucher de moi-même les différents produits. Bien sûr, je n'ai pas pu les cueillir puisque ce n'était pas encore prêt, mais c'était déjà du concret et ça m'a vraiment en fait convaincu que j'avais fait le bon choix avec le projet Kilimo. Ok, pour que ce soit les frères et sœurs de la diaspora ou d'ailleurs, je les encourage vivement à investir. Bien sûr, pour ceux qui veulent investir, qui ont une épargne et qui veulent un rendement sûr. Quand je dis sûr, c'est-à-dire que vous aurez toutes les informations. Vous n'aurez pas un rendement de 100%, on ne vous fait pas rêver. On parle de la réalité. Donc c'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui a son début. Et je vous encourage à prendre le train en marche pour ne pas peut-être dire « Ah, j'aurais dû ». Non, je vous encourage vraiment à participer. C'est vrai, c'est sûr et c'est fiable. Et vous avez une belle équipe autour de vous qui vous accompagne pour toutes vos questions. Donc je pense que vous n'avez pas hésité. Si vous avez l'épargne nécessaire, je vous conseille de tenter. Pourquoi pas tenter à deux? Si vous avez encore un petit doute, vous pouvez tenter à deux. Et quand vous êtes convaincu, quand vous commencez à recevoir vos retours sur l'investissement, et là vous pouvez vous lancer sur l'épargne. En tout cas, je vous encourage, n'hésitez pas. Le projet Kilimo, c'est quelque chose de sûr. Sur l'échelle de 1 à 10, quelle est la note que vous donnez en recommandation au groupe CAM? 10, sans hésiter. Merci madame.